Vous voyez cette feuille-là? Regardez. Elle est toute chiffonnée. Hein? Mais essayez de la remettre comme il était avant, juste avant de vous la chiffonner. Regardez ça. Je vois encore des marques. Ben ça là, c'est exactement ce que tu fais à ceux qui t'arrêtent pas de rabaisser. C'est exactement ça ce qu'ils ressentent. Ça va prendre quoi? Ça va prendre quoi pour que le monde réalise que l'intimidation, ça peut détruire quelqu'un? Malgré le suicide de Marjorie Raymond, malgré de nombreux visionnements de vidéos contre l'intimidation publiés partout sur Internet, malgré de nombreuses conférences sur l'intimidation pour sensibiliser les gens, malgré tous les moyens possibles pour stopper l'intimidation, il y a encore des gens qui comprennent toujours pas en 2015. Ça trempe dans l'oreille, puis ça sort par l'autre. Ça va prendre quoi? L'intimidation, là, ça peut détruire quelqu'un au point d'aller se suicider. L'intimidation, là, ça peut détruire quelqu'un au point d'aller se suicider. L'intimidation, là, ça peut détruire quelqu'un au point d'aller se suicider. Ben oui, je répète tout le temps la même phrase. Pis, ça te le rend-tu dans ta petite tête, là? Tu le comprends-tu, là? Ça va te servir à quoi d'intimider quelqu'un? Ça va te servir à quoi dans la vie de faire ça? C'est quoi le fucking but de faire ça? Merde! Ça sert à quoi d'intimider du monde? Tu continues. Toujours, tout en te foutant de l'impact que ça peut porter sur la personne. Hey, le cabochon! Tu veux-tu vraiment détruire cette personne-là au point de pousser au suicide, tandis qu'avant ça, elle avait peut-être des projets de prévus pour plus tard, puis toi qui détruis tout ça? Tu veux-tu vraiment détruire les gens, puis que tu laisses la conscience toute ta vie, puis tu finis par regretter le geste que t'as fait? Tu veux-tu vraiment te rendre jusque-là? C'est-tu ça que tu veux? Si la réponse est non, ben, prends les moyens pour plus que ça arrive. Vivre et laisser vivre. Ça veut dire, fends ta gueule quand on te demande d'arrêter de rabaisser la personne que t'arrêtes pas de la rabaisser depuis des années ou même des mois. Fends ta gueule, ok? Fends ta gueule. C'est clair? Message pour ceux qui se font intimider ou qui veulent aider du monde en train de se faire intimider, ben, j'ai juste un message pour vous. Battez-vous. Défendez-vous. Laissez-vous pas faire par des gens qui en valent vraiment pas la peine qu'on porte attention à eux. Renferme-toi pas sur toi-même. N'aie pas peur de dénoncer cette personne-là. Ça t'envoie chier. Dis-toi, là, que ta famille pis tes vrais amis seront toujours là pour te soutenir, malgré la situation que tu vis. Dis-toi ça. Fait que dénonce. N'aie pas peur de confier à ton entourage ce que tu ressens quand tu te fais intimider. N'aie pas peur de dénoncer. Mobilisez-vous. Défendez-vous. Partagez cette vidéo. Intimidation, il faut que ça arrête. Point final. Peace, amigos. Bye.